1669, Colbert, le surintendant des finances de Louis XIV, commande un vaisseau de guerre à taille réduite, à l'échelle 1 sur 4, pour naviguer sur le Grand Canal à Versailles. Ce bateau fera 14 mètres et le but est d'intéresser le jeune Louis XIV à la marine. Très rapidement, ce bateau sera rejoint par d'autres unités, tant des vaisseaux de guerre, comme les galères, que des vaisseaux civils, des chaloupes, des yoles, des gondoles et d'autres yachts de nations amies. La flottille du roi, comme on l'appellera, va compter jusque 60 unités et tout ce patrimoine est totalement perdu. L'atelier marin a choisi de reconstruire le grand vaisseau de Versailles sous le nom de la Licorne. Nous sommes ici sur le chantier de construction de la Licorne. Alors, nous sommes à Anderlecht, dans le bâtiment Coop. Un de nos objectifs est de construire notre grand vaisseau, la Licorne, avec l'aide de jeunes de la zone du canal de Bruxelles, des jeunes défavorisés, également des adultes qui sont en phase d'insertion socio-professionnelle, et de prendre tout ce monde et le bateau pour aller naviguer sur le Grand Canal à Versailles. Construire un bateau à l'échelle 1 sur 4 reste une gageure, parce que à cette échelle-là, il y a 64 fois moins de volume. Mais il reste pour autant de voiles à manœuvrer, et ce, avec un équipage de 8 à 10 personnes maximum.